sortie de l'hôpital. Et je peux te dire que le thème de la soirée, c'est fou, fou. Eh, j'espère que t'as accroché ta ceinture de sécurité, parce que mon pote est parti sur l'autoroute de la rigolade. Fou, fou. Et dire, eh, j'ai mis le turbo de la connerie, je vais me faire flasher direct, mon pote. Fou, 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 fou. Oh, qu'est-ce que je me sens mieux depuis que je suis célibataire. Oh là 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 là. Eh, elle me va pas bien, cette veste, hein? C'est elle qui me l'avait offert. Ah, je m'en suis pris une bonne de veste avec cette salope. Tiens, allez, je l'enlève. À partir de maintenant, je m'habille comme je veux. J'ai ma propre personnalité. Tiens, allez, je vais la remettre comme ça la fera bien chier, tiens. C'est que ça y est, je suis parti à faire le con, hein, mon Jackie, hein. À faire le con, mais vitesse au grand V, je te le dis, hein. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? J'ai croisé un type dans la rue, j'ai dit « Bonjour Bernard !» Alors que le mec, je le connaissais même pas. T'as vu que je peux aller très très loin, Jackie, hein. Pou, pou, pou. Allez, c'est parti, là. Là, la connerie, elle a commencé, là. Tiens, regarde, 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 la serveuse, là. Mademoiselle, mademoiselle. Est-ce que je pourrais avoir un whisky on the rocks, mais à la place des glaçons, vous êtes gentil, vous me mettez des apéricubes. T'as vu que je peux être complètement taré, mon Jackie, hein. Pou, pou, pou. Et la gamine, la serveuse, elle va être obligée de me servir, mon chèque. Et tu sais pourquoi? Parce que selon l'expression bien connue, le client est roi, mon Jackie. Et est-ce que tu sais d'où vient l'origine de l'expression « le client est roi, Jackie » Du Moyen-Âge, de l'époque de Louis XIV, mon pote. Parce que l'époque, les mecs, les rois, les empereurs, tout ça, ils s'arrêtaient dans les brasseries, tout ça, commandaient des Monaco, des Pepsi, des Coca, tout ce que tu veux. Ils étaient clients, mais ils étaient rois. T'as, les serveurs, ils étaient « Oh, dis donc, c'est pas Charlemagne et Louis XVI, là-bas ?» Si, c'est des clients, mais c'est des rois. C'est pour ça, le client est roi, chez qui ? L'expression. Hein ? Ça paye pas de mine, hein ? Tiens, paye pas de mine ! Est-ce que tu sais d'où vient l'expression « paye pas de mine » ? Des mérovingiens, mon pote, de l'époque de la mérovingie. Ouais. Parce qu'à l'époque, les mecs, ils étaient à cheval, ils étaient en mode équitation, perpétuellement, et ils avaient besoin de dessiner, les architectes, des Jocondes, des châteaux de la Loire, des bagnoles, des conneries comme ça, mais ils avaient posté des mecs, sur les routes, qui tenaient des crayons toute la journée, jour et nuit, et eux, ils étaient là, comme ça, ils passaient, ils prenaient les crayons au vol, mais comme ils étaient au galop, ils n'avaient pas le temps de le payer. C'est pour ça, ça paye pas de mine. C'est ça l'expression que j'ai dit. Hein? Ça t'embouche un coin? Tiens, bouche un coin, Jackie! Est-ce que tu sais de... Ah non, j'arrête mes conneries, d'accord. Et toi, arrête avec ton portable, à tripoter le portable, hein. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos portables, hein? C'est pas vrai, hein. Parce que mon pote, t'as pas conscience, mon pote, que t'as une grenade explosive pouvant exploser à la minute, hein. Et la grenade, elle va faire des victimes, mon pote. Tiens, regarde, 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 regarde. Mademoiselle, mademoiselle, oui, il est midi, et pourtant c'est la pleine lune! Pou, pou, pou. Oh là 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 là, qu'est-ce que je me sens mieux là depuis que je suis sorti de l'hôpital. Pou. Tiens, Jackie, je vais te poser une question qui va te paraître farfelue. Est-ce que j'ai encore mes sourcils, mon Jackie? Je te pose la question, je t'en pose pas une, je t'en pose pas deux. Ok, bah d'accord, ils ont dû se replanter dans la nuit, alors ok. Ça va, je suis rassuré. Non, parce que je les avais plus l'autre fois. Hein, vous avez foutu le camp? Ils étaient descendus comme ça, sur le plancher. Ils se baladaient. Ça fait bizarre, hein? Ah non, 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 là, je te dis. Hein. Tu vois, voulant probablement m'écrire un message de l'espace, des extraterrestres. Parce que le sourcil, mon Jackie, est très intelligent. C'est pourquoi? Parce que le sourcil est posté proche du cerveau, toi. Alors, il a les informations directement, par les petits filaments des cheveux, toi. C'est le premier à être au courant de tout. C'est pour ça qu'on dit l'expression « con comme des pieds », parce que le pied est loin du cerveau, mon Jackie. C'est ça l'expression. Hein? Parce que tu vois, le sourcil, tu vois, n'est pas doté de la langue, tu n'est pas doté de la parole. Tu ne peux pas faire « Oh Jean-Louis, tu vas faire une boulette, fais gaffe, attention !» Il est obligé d'essayer de créer des mini-lettres, toi. Hein? Oui, bon, on s'en fout, oui, t'as raison. Hein. Parce que j'ai commis une boulette, hein, mon Jackie. Hein? Grosse boulette, ouais. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai foutu mes deux doigts dans une prise électrique.
Mais attention, hein, je n'ai pas été chercher du 220 volts. Hein, non, 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 j'étais directement à la maison mère, hein, chez EDF. Hein. Ah, je me suis pris de la haute tension, là. Pouh ! Et depuis, ça me donne une patate ! Mais les pompiers, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, monsieur, vous vous êtes éclairé de l'intérieur, hein, carrément. Et tout mon système capillaire s'est complètement déglingué, hein, complètement. Hein. T'as chaque cheveu, toi, a décidé de changer de place, toi, chacun, chacun. Oh, tiens, tu vas où, toi, vraiment ? Toi, moi, je vais là, bon, ah bon, mais je vais me balader dans ce coin-là. Toi. Ça tournait, 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 toi. Tu vois, ceux-là qui sont devant, toi, ben, ils étaient derrière, toi. Et ceux-là, toi, je te dis pas d'où ils viennent. C'est fou, 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 fou. Et après, tu vois, j'ai eu un flash. Un flash électrique. Je me suis dit, toi, après l'accident électrique, l'électrocutation, toi, je me suis dit, tiens, je veux bouffer du crépi. J'ai foutu le camp, toi. À la vitesse de la lumière, j'ai été bouffer du crépi. Les pompiers, ils ont dit, mais il est où le monsieur qui s'est fait électrocuter? Il est parti bouffer du crépi. Ils ont pas compris, ils avaient jamais entendu ça. Ça m'a mis 2 jours, hein. J'ai tout bouffé, hein, du sol au plafond, entièrement. C'est délicieux le crépi, hein. Ah bah tu passes à la maison, moi je te fais un croque crépi ou une crêpe au crépi, hein. Je peux... Bouh, bouh, bouh. Oh putain, je me sens bien là. Après je me suis fait un week-end gastronomique, là j'étais à Castorama, Bricorama, le Roi Merlin, j'ai tout bouffé, placo, ciment, plâtre, délicieux. Ah c'est bon, après j'ai chialé pendant 2 heures quand même aux toilettes, mais... Hein Ticia, j'entends pas. Quoi? Si elle revenait? Excuse-moi. Là, de temps en temps, j'ai des petits coups de déprime. Là, je passe en basse tension, haute tension, basse tension. Je suis crispé là parce que je viens de déposer un brevet là pour une tondeuse à gazon d'appartement. Là, alors, j'attends la réponse. Mais te rends compte que j'ai 0 séquelles, hein, rien du tout. Hein. Rien. Bon, le seul problème, c'est que je peux plus prendre de douche. Voilà, c'est ça le problème. Ah oui, parce que l'eau est conducteur de l'électricité. Il conduit. Ah, oh, c'est pas grave, je me lave au lave-glace. Au pchit, 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 pchit. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient l'expression pchit, Jackie? Du Maroc, parce que là-bas, ils fument du pchit. J'ai chaud, hein, j'ai trop chaud, là. J'ai chaud, puis j'ai faim, là. Hein, mademoiselle, mademoiselle, oui, c'est moi, le fou, fou. Hein, je pourrais avoir un verre de ciment, s'il vous plaît? Ah non, je déconne, non. Un osso-boco, s'il vous plaît, j'ai faim. T'en veux un, toi? 2 ossi-boki. Quoi, qu'est-ce que vous n'aimez pas, les fous, fous? Hein? Qu'est-ce que ça, Jackie, avec ton portable, à tripoter, là, t'appelles qui, là? L'hôpital? Pourquoi faire? C'est pour toi. Oh, je me disais aussi, Jackie, depuis le début, je te trouvais bizarre.